Sixième édition des régates voile en Seine. Je suis avec Fanny Delisle de Paris Sciences et Lettres. Donc Fanny, déjà, explique-nous ce que c'est que Paris Sciences et Lettres. Alors Paris Sciences et Lettres, c'est un regroupement d'écoles et d'universités qui a pour but d'avoir une plus grande visibilité à l'international. Donc il y a des écoles d'ingénieurs, des écoles d'art, des universités et des instituts de recherche. Très bien. Et du coup, avec toutes ces, tous ces regroupements d'universités, comment vous est venue l'idée du club voile au sein de Paris Sciences et Lettres ? On s'est rendu compte qu'on était trop peu nombreux et qu'on n'avait pas suffisamment de visibilité pour trouver des sponsors quand on était chacun dans notre école. Donc on a décidé de s'unir ensemble pour se rencontrer, partager notre intérêt pour la voile ensemble et monter des projets qui pourraient plus facilement aboutir. Et en parlant justement de ces projets qui peuvent aboutir, qu'est-ce que vous avez comme projet cette année ? Ben donc déjà, on voudrait créer l'association Voile PSL qui n'existe pas encore. Et après, on va chercher à déjà commencer par s'entraîner tous ensemble et ensuite participer à différentes régates, déjà les voiles étudiantes du Havre. Et si ça marche bien, aussi la CCE ou la Spi Dauphine ou le Spi West France. On aimerait vraiment réussir à se positionner sur plusieurs régates cette année. Du coup, comme le club voile n'est pas encore créé et en passe de l'être, c'est votre première participation ici à Voile en Seine et comment ça se passe jusque-là ? Ben donc là, pour l'instant, on commence tout juste à naviguer ensemble. Donc c'est un peu les débuts, mais on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien et qu'on était contents de naviguer ensemble. Et donc c'est pour ça que vraiment, on espère que cette expérience va se poursuivre et on va tout faire pour. Très bien. Et pour tous vos beaux projets, est-ce que les cotisations des différents membres du club voile suffisent ou est-ce que vous êtes sponsorisé ou à la recherche de sponsors ? Ben là, comme on est très nombreux, les cotisations ne vont pas suffire parce qu'on va avoir beaucoup de projets qu'on va essayer de monter. Donc oui, on cherche des sponsors et comme on est des élèves qui viennent de différentes écoles, qui ont des profils différents, on espère pouvoir toucher différents sponsors dans des domaines différents. Par exemple, les mines plus le conseil au monde industriel avec le SPCI et Chimie Paris peut-être, donc le monde de la recherche. Et avec des écoles d'art, le monde de l'art, avec Dauphine, enfin tout plein de choses. Donc on aimerait vraiment, on va commencer une recherche active de sponsors et on espère que ça va aboutir. Du coup, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on a une adresse mail à laquelle on peut éventuellement vous joindre si on veut avoir plus d'informations ? Alors on sera sûrement bientôt présent sur les réseaux sociaux sous le nom de Voile PSL. Et sinon, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail fanny.delisle, D-E-L-I-D-L-E, @espci.fr. Eh bien écoutez, si vous souhaitez du coup joindre l'équipage voile de PSL, je répète l'adresse fanny.delisle, D-E-L-I-D-L-E, @espci.fr, pour découvrir un petit peu plus ce rassemblement d'universités et de centres de recherche, pour pouvoir naviguer également avec eux. Bientôt sur Facebook pour suivre toutes vos actualités et on vous souhaite bon courage pour la suite de vos projets. Merci beaucoup.